لوا بشات نواح ليوم خمسين مواخم وخيتخم يميكان والهلال إيلي خون دي يوكنان دي بلنشا دي ها بكدميت الو هبو دي يوكنان دي بلنشا Hachem a dit à Noah, et à partir de maintenant, la crainte la crainte de vous sera sur les autres. On parle de quoi? On parle des animaux et même des autres existences spirituelles, on va dire, et surtout auront peur de l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils ont, ils auront cette image spirituelle. C'est bien voir au début, comme c'est écrit, Hachem a créé l'homme à son image. Et mais dès qu'ils ont péché, alors donc cette image a changé, ils ne l'avaient plus. Et c'est eux maintenant qui ont commencé à avoir peur des animaux et des autres créatures. Alors qu'avant, quand ils avaient cette image-là, quand les animaux levaient leurs yeux et regardaient l'homme, et donc cette image spirituelle, ils avaient peur d'eux. Mais maintenant, ça avait changé. Il vient voir tout homme qui ne pêche pas devant Hachem et garde cette image-là, cette image spirituelle. Mais si il, et quand il a cette image, alors toutes les créatures ont peur de lui. Mais dès que l'homme pêche, alors là, cette image-là s'en va. Et là, maintenant, c'est le contraire. C'est l'homme qui a peur des autres créatures. Pourquoi? Parce que ces créatures ne voient plus cette image dans l'homme, et donc ils sont prêts à les attaquer. Et l'homme a peur. Maintenant, quand le monde après le déluge s'est renouvelé, alors là, Hachem a remis cette image-là sur l'homme. Et c'est pour ça qu'il a dit que tu auras le dominant sur tous les poissons de la mer. Et Rabbi Chia a dit, bien Dechem l'étenu, mais Kemadena. Il dit qu'il leur a été donné, mais on sait que c'était dominant sur les poissons, il leur avait été donné avant, comme c'est marqué. C'est écrit que quand l'homme a créé l'homme, il lui a dit, et tu domineras sur les oiseaux et sur les poissons de la mer. Donc on voit que cette dominance existait déjà avant. Donc ce qui est important de retenir ici, c'est que sur les actes que l'on fait, on fait un changement à notre image spirituelle. Alors si c'est positif, alors le changement est positif, et donc l'image, elle reste intacte. Mais si on fait quelque chose de négatif, et bien cette image-là, elle est endommagée. Et là, nous, on ne le voit pas, mais les autres animaux voient cette différence-là. Mais on sait que tout est écrit, comme le Rizal pouvait voir sur le front de la personne. Il peut voir exactement d'où il vient, c'était quoi sa vie antérieure, qu'est-ce qui va lui arriver, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. Tout est écrit dans cette image spirituelle qui était sur le front et sur le reste du visage. Amen.